Eh bien salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec Leicester City, épisode numéro 16. On va se retrouver pour la Ligue des Champions. On peut prendre déjà une grosse option sur la qualification. Si on bat le Zénith, on peut déjà être qualifié, je crois. Et s'il y a égalité entre. Enfin s'il y a match nul entre Anderlecht et Borussia. Donc voilà, on va laisser l'équipe une. On va regarder ce qui nous attend avec Newcastle aussi à l'extérieur. On aura la Coupe Capital One, peut-être Stoke, on verra combien de matchs on fait. On verra bien. C'est parti en tout cas pour le premier match. Oula, mon jeu il bug un peu là, je sais pas ce qui se passe là. Peut-être que j'ai laissé un peu trop longtemps la console allumée. Pourtant j'ai pas trop joué, mais des fois j'oublie de l'éteindre. Voilà. Donc match à l'extérieur contre le Zénith, c'est parti. Troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions au Stadium 23 Mages. Du côté du Zénith, c'est parti, let's go pour les meilleurs moments. Attention, peut-être une première incursion et cette frappe. Arrêtée par Lecomte, ce sera un corner. Attention, ils sont bien rentrés, hein, cette équipe du Zénith. C'est pas facile à gagner là-bas. Je sais qu'avec mon ancienne carrière avec Lyon, vous l'aviez vu, qu'on avait gagné difficilement là-bas. Oh, attention, cette frappe encore. Et nouveau corner. Allez, attention, ce corner, deuxième poteau! Et Lecomte qui était là. Oh non, 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 ça va pas revenir. Et la contre-attaque. Allez, allez, la contre-attaque. Il faut le lancer. Allez, Vardy. Allez, Vardy, tu t'imposes. Et Vardy! Penalty. Oh, penalty. Oh oui, il y a penalty, bien sûr. Et carton rouge, dernier défenseur. Ah ouais, c'est Dani, je crois. Non, c'est le Neto qui est exclu. Allez, Mahrez, faut le mettre. Mahrez! Oh non, la parade! La parade du gardien, c'est pas fini. Pas fini. En retrait. La frappe. Ah, l'arrêt encore. Mais de toute façon, le Zénith sera à 10 contre 11. Déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Bon ballon à la limite du hors-jeu. Et tu lui remets. Oh, dommage. Ça sera un nouveau corner. Allez, on est mieux dans ce match. On est beaucoup mieux rentré que les 10 premières minutes. Et cette tête, peut-être. Ça sera un nouveau contré. Corner. Allez, allez. Allez, allez. On peut marquer un but là. Allez, Mahrez. Faut bien le déposer. Non, non. Ça va revenir avec Mathieu. Ah oui, bonne passe. Et bon décalage pour cette frappe. Et cette parade une nouvelle fois du gardien. Allez, Inler, appuie-toi. Allez, la tête. Oh, tu. Allez, allez. Attention, il y a un décalage. Ça va décaler du coup sur Chatov. Chatov, il est passé. Attention, pas les laisser passer. Là, ça va rentrer dans la surface. La frappe. Et la parade de Lecomte, heureusement. Ouais, ça combine bien. Et attention, ça va frapper. Ouais, pénalty. Aïe, aïe, aïe. Et là, il mettra que le jaune. Il mettra que le jaune pour Liam Moore. Et attention, le pénalty de Hulk. Allez, 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 faut l'arrêter. Allez, Lecomte. Ah, la barre! La barre est derrière. Oh, c'est dégagé. Oh là 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 là, deux pénalty ratés. En tout, un de chaque côté. Il y aura 4 minutes, il y a le temps, il y a le temps. Il y a le temps d'en planter un. Allez, allez. Il n'y a pas d'hors-jeu pour Loïc Rémy. Loïc Rémy. Allez, la frappe, elle est contrée. Et rentre. Mais oui, l'ouverture du score, on a de la chatte. Franchement, il y a de la réussite. Mais ça fait partie du jeu et ça fait 1-0, ça fait plaisir. On en profite. 1-0. Ouais, bon, on mène 1-0 juste avant la mi-temps. On a marqué ce but vraiment. Et toute dernière seconde du temps additionnel, ça fait plaisir. On a fait l'essentiel, quoi. On mène au score, même si ça n'a pas été facile, hein. Ils ont bien joué le Zénith. Ils ont eu un penalty. On a eu un penalty aussi. On les a ratés, mais voilà. En espérant que la seconde période, on ait un peu plus de réussite sur nos occasions. Mais en tout cas, là, on a été quand même efficace de mener 1-0. Allez, c'est parti pour les meilleurs moments. Attention, 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 ça décale bien et ça rentre. Les magnifiques cette frappe, mais c'est le poteau. Quelle occasion! Attention, attention, on va décaler sur Hulk qui va décaler pour Garcia. Attention, ça rentre dans la surface. On s'est bien joué et l'égalisation. Ouais, là, de toute façon, on pouvait pas en rester là. C'était obligé qu'ils égalisent. Ils ont une belle emprise, une belle maîtrise du jeu. Ils arrivent à faire des très très bons décalages et ça paye cash direct un partout.
va falloir se reprendre dans cette seconde période et bien mieux l'entamer, parce que là pour l'instant c'est à l'avantage des Russes. Allez, allez, oui, Tolisso, récupération Tolisso, allez Tolisso, allez Tolisso, le deuxième but, voilà, un peu de réussite encore, parce que ça passe juste à côté du gardien, je pense. Super interception du Lyonnais, et il va derrière finir, voilà, petit placé, petit filet, 2-1, on reprend les devants. C'est vrai qu'on est aussi à 11 contre 10, on a l'avantage numérique, donc voilà, à nous d'en profiter et de remporter ce match pour avoir une qualification. Ah, bien fait ça. Ah oui, super, Vardy. Vardy, frappe de Vardy et la parade du gardien exceptionnel. Voilà, ça c'est bien fait. Ça décale bien. Et on va décaler encore pour Bellerin. Frappe de Bellerin et la barre transversale. Ouais, super ça. Le dédoublement. Penalty. Eh oui, penalty. Ben oui, bien sûr. Et encore un rouge. Deuxième rouge dans ce match. C'est pour Garay cette fois-ci. Allez, Mahrez. Allez, ce coup-ci, il le met, Mahrez. Mahrez! Oh non, mais c'est pas possible. Oh, j'ai raté deux pénalties. Bon, je tire deux fois sur le même côté, mais c'est compliqué aussi. Hein. Des fois, tu te dis, est-ce que je vais tirer l'autre côté? Le gardien va plonger l'autre côté. Du coup, je me suis dit, je pose pas de questions, je tire même endroit. Mais au final, ouais. Mais bon, ils vont finir la rencontre à 9 contre 11. Normalement, on devrait s'imposer quand même. Enfin, on espère s'imposer. Il reste 5 minutes. Oui, ici. On a trouvé ce soutien. Mais pourquoi il l'a pas... Mais non, mais c'était pas à lui que je voulais la donner. Pourquoi il l'a pas prise, Vardy? C'est quoi ce bordel? Il y a eu un bug, là. On peut pas revoir, là. D'accord. Allez, la passe, ouais, c'est fini. Voilà, belle victoire, c'est important. Mais quand même à 9 contre 11. Enfin, à 11 contre 9, on devait quand même marquer un peu plus. On a eu quand même 13 tirs 10 cadrés, d'accord. Mais j'ai l'impression que le jeu, il est pas fluide, là. Pourquoi ça fait pas fluide, là, quand je fais ça? Alors, sur le retour, c'est un peu plus fluide. Sur l'ordi, là. Mais sur l'écran de la Play, c'est bizarre. Hein. Ça fait pas un bon retour. Bon, bref, c'est pas grave. Borussia Mönchengladbach qui s'est imposé, donc on n'est pas encore qualifié. Parce que s'il y avait match nul entre les deux, on serait certain d'être qualifié. Alors que là, je crois qu'on n'est pas encore qualifié. Mais bon, on est quasiment, hein, il nous manque plus qu'un point, je crois. Donc voilà, ça fait plaisir de s'imposer. On prend quand même une sacrée option sur la qualification. On va regarder d'ailleurs ce classement tout de suite. Donc, en BPL, on était 3ème. Et oui, on avait fait 2 défaites. Je me souviens, ouais. On avait fait 2 défaites coup sur coup, quasiment. Et sinon, en... Ouais, Europa League. Allez, Ligue des Champions, voilà. Groupe F. On a 9 points. On a 5 points d'avance sur le Borussia. 7 points d'avance sur le Zénith. Donc on n'est pas encore sûr d'être qualifié, mais si on s'impose pour le prochain match, on sera certain. Même un match nul, je pense que ça suffirait. Donc voilà, on est parti pour ce deuxième match contre Newcastle à l'extérieur. L'équipe est presque en forme, ouais, quasiment en forme. Hein. Même Vardy, il a bien récupéré, alors que l'équipe 2... Alors, on va faire peut-être quand même jouer l'équipe 2, on va voir, attendez, les matchs. Non, on aura l'équipe 2 à faire jouer là, ce match de 8ème. Donc on va peut-être laisser l'équipe 1. Laisser l'équipe 1, parce que c'est vrai qu'il faut s'imposer quand même dans cette rencontre. Donc c'est parti, let's go pour ce match contre Newcastle à l'extérieur. Bon allez, 10ème journée de BPL. On est 3ème pour l'instant. On fait une belle saison quand même. Plutôt intéressant. On est pas loin des premiers, donc c'est pas mal. Oula, tout de suite récupération Vardy. Et donc on est parti pour les meilleurs moments contre cette équipe de Newcastle qui est pas forcément bien classée, je crois. Donc voilà, c'est parti, let's go. Attention, elle est passée. Attention, le décalage. C'est bien joué, la parade. Quel arrêt de Lecomte, exceptionnel. On va revoir ça, mais quel arrêt il a fait. Oh là 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 là, il l'a sauvé. Je crois que ça touche la barre derrière. Attention, ça a l'air d'être un match engagé. Hein. Voilà, ça s'est bien fait. Le bon décalage. Et la frappe, l'arrêt. Oh là là. Grosse occasion. Alors que West Brom mène face à Chelsea. Attention, il est passé. La frappe, elle est contrée. Petite balle. Oh là là, le sauvetage est derrière l'ouverture du score.
Et pourtant, on avait fait un super sauvetage, on avait anticipé un truc de fou. Mais ça suffit pas, De Jong qui avait suivi. Donc ça fait 1-0 pour Newcastle, attention. Ouais, mi-temps, aïe aïe aïe, on est mené, mais ils font pas grand-chose. Hein. Ils ont juste eu un petit temps fort de 10 minutes. Et après, on est beaucoup mieux là, on est beaucoup mieux. Et il va falloir s'imposer, on va repasser en équilibré. Et en espérant égaliser dans un premier temps. Et ensuite s'imposer, parce qu'il y a encore la place. Allez, bon ballon. Pour Loïc Rémy. Loïc Rémy. Le petit décalage, la frappe, le poteau. Là 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 là. Chelsea qui égalise. Ben nous aussi, c'est le temps d'égaliser, allez. Attention, cette transversale, elle est bien. Ah ouais, il a fait le décalage, il est passé, la frappe à côté. Allez, oh là là, ça passe. Ils s'en sortent bien. Une minute en plus, il est sérieux l'arbitre. Jamais il y a une minute. Enfin, sauf quand je perds, quoi. Quand je perds, il met toujours une minute, et là, on n'aura pas la contre-attaque. Ah, on aura même un deuxième but. Ah là là. Ah, c'est rageant, c'est rageant. C'est rageant, c'est rageant. Eh ouais, regardez-moi ça. Deux tirs cadrés, deux buts. Nous, on fait 10 tirs. C'est comme ça, Chelsea qui a perdu, ok. Bon, bah voilà. Nouvelle défaite en championnat. En championnat, on rame. On va au ralenti en championnat. Après, c'est la Ligue des Champions qui nous fatigue un peu. C'est vrai que j'ai mis l'équipe type, hein, mais bon, avec l'équipe 2 aussi, c'était compliqué. Surtout que là, on doit l'aligner contre la coupe. Enfin, dans la coupe, l'équipe 2. Donc voilà. On va faire les entraînements et puis on va passer à ce troisième match. Bon allez, quatrième tour de la Coupe Capital One, en espérant s'imposer et passer au tour suivant. Essayer de gommer un petit peu notre défaite en championnat parce qu'on a fait, je sais pas, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'on a fait 3 défaites consécutives en championnat. Ce qui n'était pas arrivé depuis un long moment. Et donc on est parti, let's go pour ce match de Coupe, pour un petit peu se rassurer. Bon, y a pas faute, arrête. Arrête, je tacle le ballon, faut arrêter là. Attention ce coup franc pour Tosser, c'est parti. Oh non, vas-y, arrête. Une équipe de 4ème division qui te met un coup franc comme ça. C'est abusé, allez, allez. Ouais, bah ça commence mal, on a vraiment pas de chance, hein. C'est même pas faute, je récupère la balle et. Mais bon. C'est comme ça, premier tir du match et on est déjà mené. Donc il va falloir vite réagir. Allez, allez. Ouais, c'est bien fait ça. Allez, on aura une occasion là. Ah là, c'est sûr, on en a une d'occasion. Allez, il s'arrête, il enroule et l'égalisation. Voilà, on n'aura pas eu 10 000 d'occasion dans cette première période. Et James, qui avait fait un bon début de match, on va dire, qui est récompensé un partout. Allez. Ouais, ça permet de bien. La petite passe, on revient. Le décalage. Et l'enroulé. Oh, dommage, c'est pas fini. Bon, mi-temps, un partout. Ouais, tout est à refaire. C'est pas fini, hein. Enfin, tout est à refaire. On a égalisé. Mais maintenant, il va falloir marquer ce deuxième but. Et voilà, hein, s'arracher. Hein. Faut vraiment le remporter, ce match. Hein. Attention, non. Non, non, on n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'a rien vu, voilà. Ouais, 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 allez, allez, allez. Allez, oui, on a vu, bon ballon pour Kane. Allez, Kane, il faut finir, il faut conclure. La petite passe. Oh non, mais pourquoi il a pas tiré? Mais c'est pas possible. Ah, on n'est pas dedans, on n'est vraiment pas dedans. Oui, oui. Bon ballon, on décale. Et la frappe, et contrée. Oh là 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 là, corner. Allez, allez. Allez, faut monter là. Faut faire un bon corner, James. T'as marqué. Maintenant la passe D. Oh non. Allez, allez, c'est pas fini. 5 minutes. Et je veux pas rejouer le match ou faire une prolongation. Hein. Allez, allez, c'est parti. C'est parti. Décalage. Et tu finis. Mais oui. 88ème minute de jeu. C'est Fuchs. C'est celui qui devait être exclu normalement. Tout à l'heure parce que il a déjà chopé un carton jaune.
Et il aurait dû être exclu parce que j'ai fait une charge un peu illicite que l'arbitre n'a pas vue. Et derrière, c'est lui qui vient nous donner la victoire pour l'instant à la 88e minute de jeu. Attention. Ouais. Oh non, non, non! Et c'est fini, voilà, qualification pour le tour suivant. Ça fait plaisir, enfin, une victoire. Pas beaucoup de tirs dans ce match, je ne vais pas vous le cacher. Chelsea qui est en difficulté aussi, Manchester qui s'impose. Ok. Donc c'est bien, on passe pour le cinquième tour. Ça sera les quarts de finale, je crois. Donc voilà, en attendant, on va avancer tranquillement vers le prochain match qui sera contre Stoke. Et Manchester City est leader. Son leader avec un petit peu d'avance, ils ont dû s'imposer. Alors que nous, on stagne avec Chelsea, hein, on s'est incliné les deux équipes en championnat. Trois défaites en championnat. Bon, on est à qu'à 5 points, rien n'est fait. On va regarder un championnat, nos dernières rencontres. Donc, on perd 2-0 contre Newcastle, on gagne Arsenal, on perd contre Southampton. Et on perd contre Everton. Voilà. Donc sur les trois dé... non, sur les quatre derniers matchs, on fait trois défaites, une victoire. Donc il va falloir impérativement se récupérer contre Stoke à domicile. On va faire ce match pour finir ce mois d'octobre. Donc c'est parti. On va mettre l'équipe type. On mettra l'équipe 2 en Ligue des Champions. C'est pas grave. De toute façon, on est quasiment qualifié. On est en Ligue des Champions. Mais par contre, en BPL, il faut se relancer. C'est parti. Allez, dernier match de l'épisode avec cette réception de Stoke. Pour le compte de cette 11e journée de BPL, il va falloir s'imposer pour se relancer un petit peu en championnat après nos trois défaites là en 4 matchs. Donc c'est parti en espérant s'imposer. Mais c'est vrai que dans cet épisode, pour l'instant, on produit pas du très très beau jeu. Donc à voir si on va peut-être pouvoir réussir à réagir. Ouais, super ça. Ah oui, bon ballon, et tu finis! Oh là 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 là, quelle envolée du gardien! Incroyable! Non, non, non. La frappe, elle passera à côté. Ah ouais, on est en difficulté, hein, on n'arrive pas. On n'arrive pas à produire beaucoup de jeux. Pourtant, globalement, on domine cette rencontre, mais bon, on n'arrive toujours pas à marquer. Allez, peut-être là, avec ce bon décalage, pour Rémi. Allez, Rémi, il est passé, il est dans la profondeur. Oui, Rémi. Allez, faut freiner. Oh la barre, mais non. Oh, s'il y a les poteaux qui viennent contre moi, alors là, on n'est pas sorti là. Là, c'est impossible de marquer là. Allez, récupération. Voilà la contre-attaque. Allez, allez, contre-attaque. Allez, bon ballon. Allez, Vardy. Allez, là, je te laisse pas le choix. Mais relève-toi, mais non, fallait pas t'écrouler, mais non. Mais qu'est-ce qu'il est con, tu peux pas obtenir de penalty là-dessus. Encore si tu tombais sur un arbitre de Ligue 1, mais là non. C'est la PPL, réfléchis mon gars. Allez, la frappe. Arrêtez de jouer le penalty, eh oui Tolisso, t'es trop habitué à la Ligue 1 là. On a changé là. Ah, mi-temps, aïe aïe aïe. On a du mal, on a vraiment du mal. Chelsea-Manchester City, un partout. Ah, c'est l'occasion, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion que pour essayer de reprendre un petit peu des points sur City, qui est tenu en échec par Chelsea sur ce choc entre le deuxième et le leader. Allez, allez. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite! Mais non, mais le poteau! Eh oui, le but! Voilà! Alors. C'est pas possible, ça. On est obligé d'avoir la cage vide hein, pour marquer. Hein. Et il avait encore tapé le poteau, c'est pas possible. Allez, 1-0, allez. Non, 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 il est passé Shaqiri. Jordan Shaqiri, la frappe. Oh là là, l'égalisation, ils auront rien fait dans ce match. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, on n'y est pas dans cet épisode, donc voilà. Hein. Allez, on va essayer quand même de s'imposer dans ce dernier match. Oui, bon décalage. Allez, allez. Allez, tu frappes. Oh non, la parade du gardien. Allez, c'est pas fini. 79e. Allez, faut mettre dans le paquet là. Allez, une tête, n'importe quoi. On va avoir la pression. Et eh oui, dégage en touche. Allez, allez. 10 minutes pour aller chercher cette victoire. Oui.
C'est passé! Tu finis! Oh là là, la parade! Ah, vas-y, putain, c'est pas possible! Mais c'est pas possible en championnat! On a 11 tirs à 3, quoi! Non, on fait deux poteaux encore! Chelsea qui s'est imposé contre Man U, oh là là, contre Man City. Et Man U a perdu. Oh là là. Liverpool avait perdu aussi. Et ouais, on avait l'occasion de revenir. Mais bon, on l'a pas fait. Donc voilà. Hein. C'est comme ça. Hein. On n'aura pas été bon dans cet épisode. Tolisso qui passe à 81 quand même. Mais ouais, pas un bon épisode. Hein. On pourra pas bien retenir parce que bon, le premier match on le gagne 2-1. Mais on est à 11 contre 9. Le deuxième, on le perd. Le troisième, on le gagne, mais à l'arraché contre une équipe de 3ème ou 4ème division de coupe. Et le dernier, on fait match nul. Ouais, ouais, c'est pas forcément une bonne période. Après, ça faisait un petit moment que j'avais pas repris cette carrière. Mais bon, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses à avoir. On va vite fait regarder ce classement. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On va arrêter le carnage. Pas non plus se disqualifier en Ligue des Champions non plus. Donc en Ligue des Champions, on sera bientôt qualifié, ça c'est presque sûr. On aura ensuite un match pour voir où ça en est. Ensuite, en BPL, on est à 3 points de Chelsea, 4 de Manchester City. On a un point d'avance sur Man U qui n'a pas profité de notre faux pas. Aston Villa, d'accord, ok. Donc on n'est pas trop largué. On n'a que 4 points sur City. Après, l'objectif, c'est pas forcément le titre hein, cette année. Parce que bon, on a les Ligues des Champions, on a les Coupes encore. Donc, c'est très compliqué. Dans le prochain épisode, on aura Borussia Mönchengladbach, West Brom Albion qui est bien classé. Manchester City, Anderlecht et Chelsea. Oh là 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 là. Et bien, on fera les 5 matchs. On fera les 5 matchs. Parce qu'on a que du lourd, vraiment que du lourd. Parce que même West Brom Albion, là, ils sont bien classés. Manchester City, Chelsea, la Ligue des Champions pour savoir si on se qualifie et si on finit premier, surtout. C'est important. Et en décembre, on aura beaucoup de matchs aussi qui s'enchaîneront avec le Boxing Day et tout. Là aussi, mois de février, hein, ça sera un mois charnière. Mois de mars aussi, grosse affiche. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner si débat d'échappé pour suivre les prochaines vidéos et actualités sur la chaîne. Suivez ma page Facebook, Alex86217. Les liens sont dans la description. Salut à tous!